Merci à collaborateur non Wilner Polydor distribution appareil pour mettre courant la Kaimoun cap vive dans zone réquilée dans pays à continuer à faire cousli dans cadre programme ça président Jovenel Moïse mettait campé 500 familles dans localité Pascatabois 8e section baie des moustiques commune à côté tout le monde doit bénéficier même service président République là Jovenel Moïse mettait sous pied programme ça pour permettre même famille qui pas espérer en poule le mail à caillou même gens à tout le monde qui vivent dans grand ville bénéficiaire remercier chef l'état pour engagement ça qui fait yo senti yo dans société a yo expliquer la décision autorité yo qu'on apprend dans temps passé yo même leur grand ville te kon fin bénéficier c'est avec difficulté pour yon ti reste rivé joindre yo accompagnement ça prouver yo participer dans toute décision équipe en place là apprend pour améliorer condition de vie population haïtienne nan. Moun sa yo qui passe pi fò vi yo nan fè noa, remercie président Jovenel Moïse qui bay petit yo possibilité étudier nan lumye, kap encourage yo pi plus toujours nan éducation y a bay ti moun yo. Président Jovenel, moi félicite pour bel travail ça y fait, nous dit merci, nous rendez année prochaine encore la pi plus toujours. Remercie l'état fait ma vie bien à ce là parce qu'il voit lumière pour moi. Pour moi, on t'a dominé en fait noir, qu'on y a et dans l'île, on va y dormir, remercie l'État. On pas avant le premier commencement, on n'a pas dit aucune activité que qu'on marche. C'est pendant le mouvement Jovenel, là, c'est ça, nous-mêmes, nous venons de nos améliorations. C'est peut-être ça, moi, je me suis en pile parce que je me suis dit, je suis en avenir, nous avons dans Jovenel parce que c'est mon nom d'Ouest lié. C'est un gros pas, président de la République l'a fait, elle permet en poule l'humain, quand c'est là, qui peut espérer ça. Député Jean-Rabel l'a fait qu'on ait un système éclairage ça. Pour augmenter l'imagination moun sa yo et puis permettre de prendre des décisions pour changer les conditions à vivre. Parlementaire a profité à tirer attention aux autorités concernées sur le mauvais état route qui menait dans l'autre commune en dans département. Je ne dis pas que je suis pour le programme ça. Le programme qui n'est pas clair parce que j'ai besoin de paysans, qui sont dans la disparité ça, côté ce timoun la ville seulement qui a droit à éclairage. Si moun section communale pa doit éclairage journée jodi a gouvernement Moïse Lafontan font gros point lorsque il fait eh bien moun section communale là eh bien li gen droit à éclairage tout décision pour bay moun ka vive dans section communale yo courant fait partie troisième axe programme énergétique administration président Jovenel Moïse là directeur général agence nationale pour sécurité énergétique là Evenson Calixte expliquer kit individuel ça c'est pour permettre moun ka viv nan zone qui pa dispose infrastructure courant bénéficier courant la kayo li annoncé pays a disposé 10 réseaux pour bay courant pi gwa c'est Port-au-Prince qui gagne 400 MW DG annoncé a dit gagne appel d'offres qui déjà lancé pour investisseurs qui intéressé dans domaine nan ka vin investi pays a divisé en 10 réseaux qui nan région yo pi gwa et c'est Port-au-Prince qui gagne une demande de 400 MW. Moi-même, en fait, Autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie, qui c'est Habit Secteur, qui c'est Autorité de régulation, Balontino, annoncé, fait lancer un appel à manifestation d'intérêt. Côté nous inviter tout le monde qui est intéressé, venir investir dans le secteur de l'énergie. Et nous avons fait ça. Nous avons gagné et pour être capable d'investir dans la production, être capable d'investir dans la distribution. Yo ka investi nan consommation. Énergie c'est yon nan point fort développement durable yon pays. D'après directeur général ANACEA, permettre courant rive kay moun ka vive nan section communal yo, c'est ba yo possibilité pour participer nan jefò ka fait pour renforcer économie pays a. J'ai noté annoncé nan Titio, ministre affaires sociales ak travail la, Stéphanie Auguste lancé mercredi 16 mai à consultation interministérielle pour élaboration en politique nationale protection ak promotion sociale activité ça fait en présence représentants différents ministères ak entités qui fait partie table sectorielle promotion sociale là tant coup ministère affaires sociales ministère intérieur ministère économie ak finance ministère planification ministère éducation nationale ministère santé publique ministère justice ak bureau secrétaire d'état pour intégration moun handicapé en suivre contre Andy Rachel Saint-Fort ak Henri Robert Chéri consulter différents ministères qui impliquaient dans protection et promotion sociale pour élaborer un document politique nationale protection et promotion sociale qui permettre l'État de bien accompagner la population
permettre citoyens autonomes répondre à responsabilité yo, c'est principal objectif. Journée consultation ça, ministre affaires sociales et travail lancé jeudi. Activité ça té occasion pour représentants divers ministères concernés réagir sous vision, principe directeur et orientation à partir en premier document plusieurs cadres dans divers ministères produits sous protection et promotion sociale dans pays. Cette démarche d'élaborer une politique de protection et de promotion sociale trouve son sens et sa direction en droite ligne des engagements pris par l'administration Moïse Lafontaine de faire d'Haïti un pays émergent d'ici 2030. En effet, nous souhaitons au prime abord que cette politique puisse poser les jalons d'une visée globale et à long terme de la protection et la promotion sociale dans le pays, cadrant et assurant par là une obligation durable de l'État à servir et protéger socialement ses citoyens, conformément à la Constitution et aux objectifs définis par le plan stratégique de développement d'Haïti. La transparence, la participation et l'inclusion, voilà en bout de ligne les valeurs que défend ce processus ambitieux dans ses tenants et aboutissants. Et c'est la raison pour laquelle les ministères concernés par la thématique en cours doivent dire leur mot sur la vision, les principes directeurs et les orientations qu'ils voudraient voir figurer dans la présente politique de protection et de promotion sociale. Représentant plusieurs autres entités qui membres table sectorielle protection sociale là, tant que ministère justice et sécurité publique, ministère santé publique et population et secrétaire d'État pour intégration mon handicapé, expliqué à papier démarche ça qui visait définir mécanisme qui permettre l'État accompagner population assurer monde qui dans pauvreté extrême jeune assistance jusqu'à ce qu'il arrive positif et puis faire face à responsabilité yo envers famille yo. Journée consultation interministérielle ça, c'est première étape dans démarche consultation différents ministères concernés pour rédiger un document sur orientation gouvernement dans protection et promotion sociale cap gain pour soumettre dans conseil des ministres pour validation dans mois qui venir là selon responsable yo. Et l'autre bord, ministère affaires sociales et travail organisé mercredi 16 mai, yon rencontre ak plis passé 250 directeurs et directrices l'école professionnelle. Chita parlé ça des relais sous mise en place ak nouveaux outils ministère prend pour accompagner l'école Sayo. Dans cadre d'activité A, directeur main d'œuvre dans ministère social et travail Jean-Gérard Pierre fait qu'on est nouvelle Mézi Sayo prend dans l'idée pour renforcer capacité formateur yo et puis permettre jeunes professionnels yo répondre à exigences yo. Directeur Inacla Mourant Michel apprécié nouvelle initiative Sayo. Il croit qu'il pourra le permettre formateur yo ak jeunes professionnels yo fait travail yo pi bien. Un extrait dans micro d'Aline Dorival ak Moïse Wilwich. Nous prenons des mesures tout qui ont rapport avec nouvelles mesures qui gagnent sous qui Jean ministère l'an doit accompagner superviser centre gagne de nouveaux outils qui développés pour permettre que 132 formations au ministère l'an mieux accompagner. Nous garder tout par rapport à ça aspect qui gagne rapport avec formation formateur tout. Parce que de fait on 132 formations pas capable en formation de qualité si personnel enseignant que li gagnent pas performant pas gagne compétences que li doit gagner pas gagne capacité pédagogique que li doit gagner pour que li baille formation. Nous les écoles professionnelles n'a formé des cadres et des jeunes et on dit que si nous former jeunes n'a bien c'est pays à nous faire bien et si nous former mal tout c'est toute une république c'est tout ensemble de tous les pays du monde que nous fait mal et que nous même les directeurs d'école nous prêts pour former jeunes yo mais nous besoin des mesures d'accompagnement auprès du ministère des affaires sociales pour au moins nous capables au moins quand dire cadre des jeunes en plus pour nous capables en cadre des jeunes mieux pour au moins que Haïti ait une satisfaction au niveau des cadres professionnels. L'autre nouvelle, mairie Croix des Bouquets en tête collée avec Global Communities, Croix Rouge Américaine, UCL PB avec DINEPA, poser premier roche construction yon réservoir de l'eau avec implémentation yon réseau addiction de l'eau potable dans zone Canaan mercredi 16 mai.
travail a commencé semaine ça grâce à support financier croix rouge américaine. Reportage Richardson Jourdan avec Michel Joseph. Projet ça a gain comme objectif améliorer accès service approvisionnement de l'eau potable à assainissement dans canal. Dans sens ça, responsable yo posé premier roche construction réservoir qui vise produit et puis distribuer yon quantité de l'eau à travers un système alimentation y a bien pour installer en faveur moun zone là. Projet réseau d'eau potable ça c'est dans même cadre ça nous venons ici pour nous faire et pose pierre première pierre et projet mais dans l'objectif nous te gagné dans quatre programmes on dit peuple canarin ça c'est un petit bagage dans ça nous te promettre là nous connais nous gagné l'école n'a fait l'école communale mais nous commencer dans route là c'est direction nationale d'eau potable d'INEPA à Global Community qui là pour contrôler travail dans quatre projets création système addiction de l'eau potable à assainissement dans canarin directeur général d'INEPA Guito Edouard avec représentant Global Community, Michelet Maxime, salue projet ça qui va aider dans l'amélioration de la zone dans les affaires de l'eau potable. C'est le premier pas qui décide la marche. Eh bien, on a fait ensemble, au nom du gouvernement, Jacques Guy Lafontaine et son Excellence Jovenel Moïse, comme président de la République. Donc, on va faire d'autres pas pour faire en sorte que l'accès à l'eau potable au niveau de la population de Canaran, eh bien, augmente de période en période. Projet a gagné plusieurs activités là-dedans. On a dit, première activité qui a été lancée, c'est une grande étude qui a été lancée sur Canaran, qui te permet que nous, avec DINEPA, identifier qui côté de l'eau disponible pour de l'eau qui arrive à Canaran. C'est ça qui fait que nous prenons construire un forage étant cyber sur route E9 là. Et puis projet à tout ligué construction un réseau de conduite qui est environ 7500 mètres linéaires de tuyaux. Et puis nous avons construit un réservoir, on a dit un premier réservoir qui a une capacité de 500 mètres cubes d'eau. Représentant Croix Rouge américaine en Haïti, Chantal Sylvie Imbol. Quoi, projet ça a une pile importance pour mon cap vivre dans Canaran. Ce projet qui porte une importance vraiment capitale pour la zone, compte tenu que jusqu'à présent il n'y a pas de source d'eau. Donc ce projet, la Croix-Rouge haïtienne et la Croix-Rouge américaine ont y tient beaucoup. Et je voulais remercier sincèrement la DINEPA pour toute cette collaboration qu'on a eue pour. J'espère que très bientôt, il y aura donc accès à de l'eau potable pour une bonne partie de la population. Projet ça a duré 5 mois grâce à financement Croix Rouge américaine pour un valeur $1 million. Dossier santé, Fondation haïtienne diabète et maladie cardiovasculaire FADIMAC. Annoncé jeudi à une série d'activités pour marquer journée mondiale hypertension jeudi 17 mai. Parmi activités SAYO, gagner un test gratis, rassemblement pour faire sensibilisation, responsable a organisé journée ça sous thème chercher qu'on est tension. Reportage Falland Delphin avec Moïse Wilbridge. Bon mari ta démenti est silencieux, c'est différent nom qui utilisé pour décrire hypertension artérielle qui c'est première cause pathologie, insuffisance rénale, éclampsie, accident cérébrovasculaire. D'après plusieurs rapports mondiaux, majorité moun ki souffri maladie si la, pa jam au courant à cause yo pa gen aucun symptôme. Symptôme sa yo ki ka varier selon anatomie patient, vini soit après consommation en pile sel ak manque consommation fruit ak légumes, d'après docteur Roger Jean-Charles, président Centre Haïtien Hypertension. La meilleure façon pour un monde bien connaît pour pas souffrir tension, c'est depuis un monde passé l'âge de 18 ans. C'est aller chez le docteur, faire prendre attention. Parce que autrement, c'est malheur pendier. Surtout pour Haïtiens. Parce que Haïtiens ont tendance normale
pour faire tension. Pour qui ça? C'est parce que les Haïtiens, c'est nègre. Et la maladie tension vient de plus qu'à nègre, d'origine africaine. Et parce que les Haïtiens mangent trop de sel. Les Haïtiens mangent 30 jusqu'à 35 grammes de sel dans la diète. Donc, avec c'est ça que fait les Haïtiens qui ont tendance pour le faire. Pour faire attention. Et puis non seulement ça manger trop de sel, et ne pas manger suffisamment de légumes avec fruits, parce que pas même manger légumes avec fruits, parce que les légumes avec fruits eux-mêmes, ils gagnent les légumes verts, les tuches, choux, cochons, voilà, comme ça, et eux-mêmes, ils gagnent potassium là-dedans. Alors, potassium, non, c'est une substance naturelle, normale, qui a tendance pour faire attention à baisser. Tandis que et celle-là même que vous venez par exemple dans cubio en pile et que mon utilisé pour faire manger. Alors eux même ils ont en pile sodium là-dedans. Alors c'est sodium là qui fait attention à monter. Directrice exécutive Fadimac la docteur Nancy Chollo invite tout le monde passer consulter dans n'importe clinique pour faire l'hypertension artérielle yo, li dit qui marche côte à côte avec maladie cœur, stroke, obésité et diabète. Nous pourrons organiser demain 17 mai une journée de 8h du matin à 2h de l'après-midi côté n'importe qui monde capable de contrôler tension gratis. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'en pile dans nous, on ne doit pas connaître que nous sommes hypertendus. Donc, depuis que nous avons, moi-même, j'ai dit 30 ans, mais le docteur Jean-Charles parlait de 18 ans. Donc, depuis que nous avons 18 ans, nous avons intérêt à passer contre les tensions, si nous n'avons pas briver côté ça, pour nous aller dans le sens de côté, bon côté nous. Journée mondiale hypertension est célébrée pour la première fois dans l'année 2005 pour communiquer mode prévention et traitement maladie ça. Dans l'année 2025, chercheurs prévoient 1 milliard 56 millions de personnes à priver atteindre maladie hypertension artérielle. Étude Fadima qui a démontré pays d'Haïti a 2 millions de personnes qui touchent à la maladie si là. Nous arrivons au moment pour nous prendre en pause, nous retournons dans le budget. Actualité à poursuivre sur Télévision Nationale d'Haïti. Recteur Université Kiskeya, Jackie Lumac, exprimé satisfaction pour bon déroulement colloque des jours. Université Kiskeya a organisé sous corruption et transparence. Représentant gouvernement, société civile et secteur privé étaient présents pendant l'activité ça. Professeur Lumac parlait sous nécessité pour appareil judiciaire renforcé pour faciliter bataille contre corruption. Jackie Lumac a participé matin à l'émission Mise au point sous TNH. Il y a une leçon que nous prenons, effectivement, il y a une loi ou fait loi. Par exemple, loi sur blanchiment d'argent, ou après négo, son loi qui a voté, trappe 2. Trappe 2, ça veut dire qu'il y a des pressions externes pour voter loi. Il ne peut pas répondre peut-être à une perception de besoin interne pour voter loi. Mais comme pour d'autres lois, vous votez, vous chita sur lui. Personne ne va pas appliquer, mais pendant que vous appliquez, personne ne va demander au compte pour ne pas appliquer. Okay? Donc, je pense que ça, c'est une équipe importante, la question de la gouvernance globale de notre société. Et puis, deuxième bail, talon d'Achille et bataille contre corruption, c'est le fonctionnement du système judiciaire ici. Un système, d'abord, qui dit même soumis à la corruption. Hein? On ne va pas parler de corruption dans différents secteurs, non? Mais soit pas de corruption dans différents secteurs, dans l'économie, dans le secteur privé, dans la police, etc. Mais on va regarder corruption dans le système judiciaire lui-même. C'est-à-dire que magistrat qui l'a pour placer, pour dire le mot du droit et travailler à l'application du mot du droit, monsieur dans la machine corruption. Et ça, c'est un qui grave dans la société. Donc, le talon d'Achille de la bataille contre la corruption en Haïti, c'est le fonctionnement du système judiciaire haïtien. C'est son incapacité à punir l'infraction et son incapacité à poursuivre les voleurs jusqu'au bout. Est-ce que c'est pas précarité à tout qui fait ça? Bon, précarité, vous acceptez de faire des bagailles, vous acceptez de faire dans les conditions négociées, voulues. Sinon, faire l'autre bagaille, vous obligez magistrat, vous obligez juge, vous obligez avocat. Vous comprenez? Une fois qu'on fait, c'est une négociation qu'on fait, ou même avec société, on nous dit, mais c'est ça me choisit comme carrière, c'est ça me choisit comme rôle que me battait dans la société. Eh bien, je ne suis pas capable de faire, quitter, faire l'autre bagaille. Personne ne m'a demandé au juge. Personne ne m'a demandé au magistrat. Et donc c'est pour ça que je me dis, mettez responsabilité sur la question de la gouvernance. Et pendant que le président veut lutter contre la corruption, mais il y a une responsabilité que le gain et tout, c'est demander institution au compte. C'est demander au compte. Demander coup supérieur des comptes sur ce qu'elle a fait. Et
Et là, on a demandé compte, là, plusieurs fois, on a interrogé l'efficacité de réponse que le coup des comptes bail face à ce problème. Mais soit prendre compte que les réponses ne sont pas efficaces, il faut tacler cause là. Est-ce que c'est comportement fautif, acteur qui est responsable, ou bien est-ce que c'est ressources qui est suffisante à leur disposition, ou bien est-ce que c'est dans l'organisation et l'institution lui-même? Dans l'occasion, Journée internationale famille, jeudi, mardi 15 mai, plateforme Corée la vie, organisée en conférence débat sous thème Haïti, famille et citoyenneté. Dans l'occasion, en direct exécutif, plateforme Corée la vie, Dr. Harrison Ernest, attirer attention autorité l'État, sous rôle et importance famille jouée dans le cadre de transformation société haïtienne. Reportage Saint-Croix-Paki avec Fresnel Toussaint. Conférence débat ça, plateforme Corée la vie organisée, Téchita sous importance et renforcement familial. Et puis attirer attention autorités concernées sous situation difficile familiale à faire face. Responsable PKL là, Dr. Harrison Ernest, mandé pour famille défendre droit. Société en tout, maman, papa, yo gen pour réfléchir sur problème ça yo, pour yo pour une deuxième fois l'année dernière nous t'ai fait plateforme Corée la vie décidé célébrer pour deuxième fois Jean Soudilan la journée internationale de la famille. Thème nan que nous t'ai choisi c'est Haïti famille et citoyenneté parce que nous devons mettre accent sur la citoyenneté et parce que Anessa et Wal Jean-François PDG Radio Ibo et qu'on livre sur la citoyenneté son concept qui pas développé que nous ne pas comprendre oh la citoyenneté le charrier ou ensemble de bagages que citoyen t'a dû connaître, que t'a dû juger, parce que le fait qu'on soit haïtien, donc citoyenneté ça, que Haïti bat ou un, qu'on a un ensemble d'exigences que le fait à l'État, et qu'on sait de bagailles qui pouvaient nous joindre nous en retour. Sénateur Noir, Dieudonné Nima Etienne, avec directeur général Radio Iboa et Roger François, prenez une transformation sur l'État haïtien, non, pendant que vous dénoncez violence qui est toujours répétée dans la famille. Les femmes en Haïti sont trop violentées. D'une façon ou d'une autre, nous bouquons. Et si vous avez une politique, vous n'avez pas plus de femmes. Pas de femmes qui ont accepté de boucher les oreilles à petit coton pour ne pas attendre. Quel que soit le sexe, quelle que soit l'idéologie politique, quelle que soit la religion, dans l'effort que nous tous voulons faire pour le pays capable de changer, pour nous corriger la vie de chaque haïtien, nous avons besoin de faire un recul sous l'ego. Individuel nous pour nous font pousser sous ego collectif là qui t'a fait que nous avons une meilleure société, nous avons des jeunes qui sont plus impliqués dans la vie, dans changer condition la vie dans le pays. Donc voilà, je pense que son initiative peut qui continuer qui t'a multiplier pour nous gagner une société côté que les citoyens engagés. Dans cette activité, ça, responsable de la plateforme Corée la Vio, honoré sénateur Noah, Dieudonné Nima Etienne, avec directeur général Radio Iboa et Roger François, pour ensemble service, y aura une société haïtienne. L'autre point dans le journal là, division des Toastmasters International a organisé conférence internationale, sortie 17 pour arriver 20 mai Cap Vinila. 26 pays a participé dans l'activité, ça, en suivant. Haïti va recevoir conférence régionale caraïbéenne mouvement Toastmaster. Qui s'agit, c'est un mouvement à travers le monde qui permet que tout le monde qui participe là-dedans est capable de faire apprentissage, communication et leadership, mais de façon pratique. Haïti fait partie du district 81, qui est le district caraïbéen, et du 17 au 20 mai, nous allons recevoir la 22e conférence région ça en Haïti. Nous avons gagné différentes activités, nous avons gagné des sessions de formation, nous avons gagné un concours qui a opposé gagnant haïtien qui a gagné un concours de division récemment qui a été médiatisé à gagnant l'autre territoire caraïbe. Et nous avons gagné l'occasion tout déterminer qui est ce monde qui a dirigé, prochain dirigeant région caraïbienne dans le mouvement Toastmaster pour l'année prochaine. Dernier jour qui va dimanche, nous avons gagné des sessions de formation pour leaders que nous avons désigné et puis nous avons permis à tous les visiteurs caraïbiens de faire virer dans le pays pour voir qui est Haïti. Conférence a organisée sous thème Improve, Inspire, Influence.
qui veut dire améliorer tête ou inspirer les gens qui nous entourage et influencer le pays. C'est une opportunité pour que nous bâillons à tout le monde qui dans ce master qui a participé et tout le monde d'ailleurs tout qui voulait participer, prendre un petit temps pour réfléchir sur tête ou sur qui j'en capable de développer tête ou sur qui aspect positif que ça qui change positif que ça mène en vie par ou de façon à ce qu'on inspire les gens qui nous entourage ou et finalement capable de provoquer changement qu'on voulait ou dans le monde. Donc nous invitons tout le monde à prendre part à l'activité ça. Nous avons recevoir tout le monde qui est Toastmaster, qui est tout pour Toastmaster, pour payer des frais de $150 américains payables autour du jour et pour participer. Nous allons observer une autre pause dans le journal là, pas débranché, nous allons tourner dans un petit moment. Nous retournons, nous allons faire un coup de pied l'autre bord de l'eau. Conseil sécurité des Nations Unies réuni en urgence mardi 14 mai à New York sous conflit entre Israël et Palestine. Palestiniens, bon côté pas, ont demandé une protection internationale pour faire face à la situation, tension et à vivre en suivant. Après la série de violences qui a enregistré dans le bas de Gaza, Conseil sécurité des Nations Unies réuni en urgence mardi 15 mai 2018 là dans New York. Palestiniens pour quoi ils la réclamer une protection internationale, une demande qui crée division. Européens ont demandé calmer tension yo, Washington bon côté pas envie prendre distance li. D'après ambassadeur Royaume-Uni Karen Pierce, ils ont besoin urgent pour établir fait yo suite à l'événement lundi 14 mai à sous bande Gaza. D'après Karen Pierce, faut que connaît tout pour qui ça toute balle ça yo qui tire continuer considéré comme justifié. Toujours d'après l'ambassadeur Royaume-Uni Karen Pierce, droit palestinien pour manifester pacifiquement incontestable. Mais en même temps, il y a quelques extrémistes qui ont faufilé corps dans la manifestation. États-Unis affiché un soutien sans faille à Israël, côté reconnaît Jérusalem comme capitale État hébreu. Ambassadeur États-Unis, Nikki Haley, déclaré pendant les derniers jours plusieurs terroristes Hamas qui jouent un soutien Iran, insister l'autre monde commettre plusieurs actes contre force sécurité et infrastructure israélienne. D'après Nikki Haley, point dominant dans tout ça, c'est volonté pour déstabiliser le régime iranien, un régime qui insistait, d'après lui, pour faire promotion. Violence dans tout Moyen-Orient, tout pendant la privée propre peuple de droits fondamentaux de l'homme. Corée du Nord annulé rencontre li ak voisin li Corée du Sud suite à manœuvre militaire qui t'emmène en commencement semaine là. À Washington, d'après Pyongyang, exercice sa yo te yon provocation. Corée du Nord menacée tout pour annuler sommet en Donald Trump à Kim Jong-un lan. Département américain minimisé déclaration Corée du Nord. Côté responsable déclaré, pas gain aucune information qui t'a fait croire régime nord-coréen t'a changé position. Exercice Aniel Sayo, qui baptisé Max Thunder, impliqué principalement force aérienne yo, yo commencé depuis 14 mai pour bout 25 mai prochain. Nouveau président indépendantiste catalan, Quim Torra, annoncé intention le mardi 14 mai pour rencontrer avec chef gouvernement espagnol là, Mariano Rajoy. Il en demande, chef gouvernement espagnol là, Mariano Rajoy, accepté pendant les mêmes tours, t'es en visite dans Bulgarie. En suivant. Nouveau président indépendantiste catalan, Quim Torra, fait annonce ça dans ville Berlin, côté le dégain entretien avec ancien président catalan, Carl Puigdemont. Mardi 15 mai, depuis Bulgarie, chef gouvernement espagnol la Mariano Rajoy répond favorable à demande rencontre nouveau leader catalan, mais la vetti pape gen réplique dans Catalogne, yon promesse Quim Torra te fait Jules Elia. Chef gouvernement espagnol la Mariano Rajoy rappelé l'ika à n'importe qui le reprendre contrôle région si Torra a violé constitution. Et l'autre bout la justice allemande, depuis commencement mois avril, l'a décidé ancien président catalan, pape ka estradé pour rébellion, mais peut-être pour détournement fonds publics. Puigdemont attend pour qu'on y a sentence li, entre-temps, il propose Quim Torra aide li. Nous retournons à la caille pour marquer fête Saint-Yves, qui c'est patron avocat yo, samedi 19 mai, cap Vinila. Bao l'ode avocat Port-au-Prince-Lan, c'est une série d'activités, sauti 16 pour arriver 19 mai. Parmi activités SAIO, il y a une conférence scientifique qui a déroulé sous thème l'impact de la qualité des décisions de justice sur l'investissement. Plus investissement dans le pays d'Haïti. Reportage Sainte-Croix-Paki avec Rémi Godjit. Faciliter plus investissement local à l'étranger dans le pays, accompagner entreprises privées dans quatre procédures judiciaires et puis renforcer la justice pour un plus bon climat d'affaires. Ces différents thèmes qui ont bien pour discuter pendant trois jours dans la Cour cassation.
sur initiative Barreau Lord Avocat Port-au-Prince en collaboration avec différents Barreau Lord qui sorti dans Caroline du Nord pays États-Unis et Paris dans pays la France selon explication bâtonnier Lord Avocat Port-au-Prince M. Stanley Gaston. Les festivités de la sortie se déroulent sur quatre niveaux avec des conférences à finale du concours de plaidoirie, un procès simulé, la soirée de gala et la messe traditionnelle. Pour nous, avocats, c'est un moment important de confraternité et d'échange. Pour la corporation, c'est un moment de signifier à tous notre attachement aux valeurs et à notre mission sociale de contribuer au développement économique en œuvrant pour un environnement des affaires sécurisées. Ministre Justice et Sécurité publique là, M. Jean-Goudi Ali, fait connaître l'administration Maurice et le gouvernement Lafontaine prend engagement pour accompagner les investisseurs pour le développement du pays. Pour sécuriser les entreprises et protéger les investissements, les acteurs judiciaires ont pour devoir d'œuvrer dans le sens d'une justice de qualité. Dans un effort concerté des juges, des officiers du parquet, des notaires, des arbitres, des greffiers et des huissiers, en passant par les avocats, le défi sera relevé. La bonne gouvernance judiciaire exige la contribution de tous, chacun à son niveau et en ce qui concerne. La mise à jour du savoir juridique, le souci du travail bien fait, l'utilisation des nouvelles technologies, la gestion efficace des dossiers conduisent à coup sûr à moins de défaillances et de dysfonctionnements. Président CSPJA, Jules Cantave, a annoncé gagner un effort qu'a fait pour continuer à renforcer la justice, ça qui permet aux investisseurs de gagner plus confiance dans l'appareil judiciaire. Dans ma qualité de magistrat, je crois fermement dès que ces différents acteurs jouent leur partition respective avec science et conscience, ça doit être à n'en pas douter des prémices au développement du secteur privé, à l'attraction de l'investissement national et étranger, à l'intégration plus accélérée du pays dans l'économie mondiale et, in fine, à l'amorce de développement durable. Barolot, à Port-au-Prince, tombe activité sa yo pour marquer fête Saint-Yves-là, qui se patron avocat yo, 19 mai, qui vini là. Nous allons faire l'autre campagne, les amis téléspectateurs, Naptonin, pour suivre le journal là. Nous retournons après pause là, amis téléspectateurs, visite vice-bâtonnier Lord Avocat à Paria, Basile Ader, félicité bâtonnier Lord Avocat Port-au-Prince, M. Stanley Gaston, pour une initiative qui permet d'aborder ensemble sujets importants dans la conférence scientifique ça qu'a organisé. De l'autre côté, vice-bâtonnier Lord Avocat à Paria, fait qu'on est, il y a pour poursuivre avec programme formation pour différents avocat qui fait partie barreau Lord Avocat Port-au-Prince dans le pays la France. Un extrait d'Amico Saint-Kwapaki avec Rémi Godjit. Mon sentiment est assez riche et partagé, puisque je trouve que le thème auquel je crois beaucoup, qui est qu'il ne peut pas y avoir d'enrichissement, de prospérité, d'investissement s'il n'y a pas une justice absolument fiable, une justice absolument indépendante, impartiale, où il n'y a pas de corruption, parce que la corruption fait fuir les investisseurs. Donc ça, c'est une première chose que je pense très importante d'avoir abordé en la nommant dans un pays comme le vôtre. La deuxième, elle tient au fait que je trouve très symbolique que ça soit ici qu'on fête le plus Saint-Yves et qu'on rattache un rassemblement comme celui d'aujourd'hui à ce qui est un peu une fête religieuse. Saint-Yves était le chef des avocats qui avait un bâton. Et là, je trouve qu'on a une dimension philosophique très intéressante et à laquelle moi je suis très attaché parce que au-delà des investissements et de la prospérité, il y a le respect de la dignité humaine. Nous avons une coopération qui date de plusieurs années où nous échangeons beaucoup de stagiaires, où nous apportons de l'enseignement.
de la bibliothèque. Nous avons ouvert la grande bibliothèque de droit que nous avons ouvert au palais, au barreau, il y a maintenant 4 ans, et qui est accessible gratuitement à tous les avocats haïtiens. Nous faisons des propositions comme l'instauration d'une caisse de règlement, la CARPA, pour tous les règlements entre avocats, qui est un gage de sécurité et qui est un gage de sécurité économique qui plaise beaucoup justement aux investisseurs. L'autre information, ministère des Affaires sociales, ensemble avec ministère intérieur, collectivité territoriale et puis délégation départementale l'Ouest, est lancé mercredi 16 mai un programme COREPEP. Programme ça rentré dans le cadre d'un projet administration Moïse à gouvernement Lafontaine qui visait porter assistance by moun kap vive dans situation économique difficile. En suivant. Nous connaissons que le restaurant communautaire, c'est une sorte d'assistance que nous portons à la population dans différentes zones. Et Jean-Président Jovenel Moïse Mandelan, c'est à travers tous 10 départements pour nous ouvrir au total 775 restaurants communautaires. Nous relançons les parce que c'est une nécessité, c'est une urgence liée. Mais nous avons mis clair pour nous connaître que le mode de fonctionnement qui était gagné avant, c'est un barrage qui vient faire que le budget est trop lourd pour le gouvernement. Ça veut dire que les restaurants actuellement, nous chita avec les prestataires pour nous connaître les modalités de fonctionnement pour les alléger la charge que le gouvernement a gagné pour porter comme assistance. C'est une participation communautaire. Jean-Barré a dit là son restaurant communautaire, ça veut dire communauté en côté restaurant, il faut que porter apport par yo, faut que porter participation par yo, faut que porter encouragement par yo tout qui pour à la longue ça nous t'a remé fait modèle que nous t'a remé que restaurant vini à la fin pour les vin autosuffisant. Ça veut dire pour le gérer propre tête li côté à un moment l'état connait le carré tire école parce que au sein communauté à côté le placé faut qu'il capable subsister pour le capable nourrir comme si moun que qui affilié à restaurant. Chaque restaurant yo y a gagné, y a pas le cadre devant identifier avec un logo. Donc pas gagné moun qui a dit ou pas restaurant. Et puis nous voulons le bagage qui est important, nous pral faire tout, nous pral faire suivi. Suivi et évaluation restaurant. Parce que suivi a c'est yon, mais évaluer restaurant qui ça le pote en plus dans la zone, c'est l'autre bagaille. C'est yon la raison qui fait que les travailleurs sociaux qui sont dans le ministère des Affaires sociales, ils vont à pied d'œuf. Dans le niveau FAES, nous avons des directions qui sont là pour ça. Nous allons mettre des directions nous à pied d'œuf tout, pour être capable de faire analyse, pour être capable de voir qui impacte le restaurant ça sur la vie population. Dans ce cas-là, bien spécifique, côté n'a pas eu de et restaurant communautaire. Tout monde qui fait partie de chaîne côté que un paquet monde qui a besoin vraiment qui a nécessité, qui est-ce qui connaît réalité ça, n'a parlé de délégué yo, vice-délégué yo, magistrat yo, kazek yo, azek yo. Donc dans ce sens ça, nous même n'a fait une meilleure coordination entre équipe ça pour voir si effectivement côté restaurant placé côté restaurant yé si c'est là le mérité pour lié de façon à ce que moun qui n'a nécessité yo vraiment bénéficier de restaurant. Mais quelques points ont été développés pour vous. Ministre Affaires sociales et Travail là, Stéphanie Auguste, lancé mercredi 16 mai, consultation interministérielle pour élaboration et politique nationale protection et promotion sociale. Ce moment ça fait en présence représentant différents ministères et entités qui fait partie de table sectorielle promotion sociale là. Ministère Affaires sociales en tête collée avec ministère intérieur, collectivité territoriale et puis délégation départementale l'Ouest relancé mercredi 16 mai programme COREPEP pour porter assistance by moun kap vive dans situation économique difficile yo. Gain 100 restaurants communautaires qui déjà relouvri dans département l'Ouest dans cadre programme ça. Barreau Lord avocat Port-au-Prince à Paris pour fêter centive patron avocat yo samedi 19 mai kap vini là. Une série activité lancée jeudi à dans la cour cassation.
Demain jeudi 17 mai a marqué Journée mondiale hypertension. Dans l'occasion, Fondation haïtienne diabète et maladie cardiovasculaire FADIMAC a organisé une série d'activités pendant Journée ça qui a déroulé sous thème chercher qu'on est tension. Dans l'actualité internationale là, Conseil sécurité des Nations Unies réuni en urgence mardi 15 mai à New York sous conflit entre Israël et Palestine. Palestiniens au beaucoup de pays mandé une protection internationale pour faire face à la situation tension y a vive. C'est là la fermé journal là pour Assoya, toute équipe là était content avec vous pour porter le pour vous. N'a pas rendez-vous demain pour une autre édition. On souhaite tout le monde passer une bonne nuit sous télévision pour la télévision nationale d'Haïti.